Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur le salon Bipositive à Lyon. Nous sommes le jeudi 9 mars et nous allons nous intéresser pour cet après-midi au Smart Building. Et on va s'intéresser à une partie particulière du Smart Building qui est l'enveloppe connectée du bâtiment, l'enveloppe intelligente du bâtiment. Avec moi pour en parler, Emmanuel François, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Smart Building Alliance. Oui. Smart Building Alliance, rapidement, une présentation. C'est une association que j'ai cofondée avec Serge Lemaine, Neuron System, il y a 4 ans, avec vocation d'associer tous les acteurs intéressés par le bâtiment connecté et la ville connectée, et toute la filière. Et quand je dis tous les acteurs, c'est aussi bien les acteurs de la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi de l'énergie, de l'informatique, de la finance, etc. Tout le monde, toute la chaîne. Toute la chaîne, y compris l'usager. Y compris l'usager. En face de vous, François-Xavier Jolan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française de domotique. Rapidement, pareil, une présentation de la Fédération française de domotique. Alors, on a beaucoup de points communs. On a également 4 ans. Nous, on s'intéresse plus, comme le mot domotique l'indique, hein, sur le résidentiel. Donc, tout ce qui est lié au collectif, tout ce qui est lié à la maison individuelle, tout ce qui est l'habitat, hein, qu'il soit individuel, diffus, etc. Sur tout ce qui est lié à l'innovation, finalement, dans ces logements. Donc on appelle ça, nous, le logement connecté pour tous. Hein, on n'est plus dans l'élite, on est maintenant dans quelque chose de démocratique, avec dans cette fédération 320 membres, aussi bien des fabricants, des gens de la recherche, des gens de la formation, mais aussi des bureaux d'études, des installateurs, et ce que nous, on appelle les nouveaux métiers, hein, l'intégrateur en domotique. Je pense qu'on va en parler, hein, des intégrateurs. Même question à tous les deux, je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que rapidement, on peut expliquer, nous dire où on en est aujourd'hui de l'enveloppe connectée ? À quoi ça sert qu'est-ce qu'on y trouve ? Comme tu veux. Bah, allez, je peux démarrer comme ça. L'enveloppe connectée, qui dit connectée, ça veut dire reliée à Internet. Hein ? Donc numérique. Ça, c'est la base. C'est la base. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle est interconnectée avec un environnement extérieur et un environnement intérieur. Et elle réagit à des facteurs donc extérieurs et des facteurs intérieurs. Intérieur, ça peut être l'occupation, ça peut être, ça peut être les usagers qui sont à l'intérieur. Extérieur, ça peut être les conditions météorologiques, ça peut être... Si on prend un exemple qu'on a sur l'enveloppe du bâtiment, le brise-soleil qui va se lever ou qui va descendre, je peux le connecter et je peux le... Voilà, exactement. C'est-à-dire le brise-soleil, ça peut être aussi une fenêtre opacifiante, hein, les nouveaux vitrages de Saint-Gobain, par exemple, qui va effectivement s'opacifier. Les vitrages électrochromes. Voilà, électrochromes. Et qui va effectivement s'opacifier en fonction de la luminosité, en fonction des personnes qui sont à l'intérieur et qui diront « Attendez, je ne veux pas de lumière, donc on s'opacifie. » Ou au contraire, « Je veux me protéger du soleil, des UV ou de la chaleur, etc. etc. » Donc, c'est en fonction des usages extérieurs. Mais extérieur, c'est aussi... je donne un autre exemple que j'aime beaucoup, parce que ça fait partie de l'enveloppe, c'est les toitures végétalisées. Toitures végétalisées qui vont venir absorber les eaux de pluie, stocker les eaux de pluie et qui vont, en cas d'orage violent, dégager toute l'eau qui est stockée pour pouvoir absorber l'eau qui tombera et éviter des inondations sur des villes, par exemple. Voilà, l'idée, hélas, il n'y a que la connectivité qui peut le faire. Je sais combien j'ai de mètres cubes d'eau sur ma toiture, je sais combien je peux en déverser et combien je pourrais en stocker en cas d'orage. Ça. Et après, c'est une question d'échelle. Si c'est qu'un bâtiment dans la ville, ça n'a aucun intérêt. Si c'est 10%, là, ça a un intérêt. Ça commence à devenir intéressant. Pour vous, l'enveloppe connectée, c'est quoi et ça sert à quoi ? Oui, alors, connecté, effectivement, c'est Internet. C'est connecté aussi à ce qui l'entoure, y compris les autres équipements. C'est-à-dire, je pense qu'on ne va pas s'amuser à piloter notre enveloppe. On ne va pas piloter au quotidien une façade dynamique, par exemple. Elle va se gérer elle-même. Donc, elle doit être connectée avec l'éclairage, avec un seul et même capteur. Donc, connectée, on voit tout de suite, nous, quand on fait un audit, si on est sur un bâtiment connecté ou pas. Combien il y a de capteurs dans un bureau, par exemple. S'il y a un capteur pour la clim, un capteur pour le BSO, un capteur pour l'éclairage, C'est déjà compliqué. C'est mort. C'est-à-dire que ce sera un bureau qui sera très compliqué à utiliser, déjà, pour l'utilisateur. Et puis, impossible à optimiser. Donc, la fameuse enveloppe connectée autonome,
elle sera impossible à faire. Donc, il y a bien un travail de conception en amont pour qu'un seul détecteur soit capable de donner des ordres en fonction, effectivement, de la température extérieure, de la température intérieure, du taux d'hygrométrie ou, par exemple, du taux de pollution. On peut imaginer plein de conditions qui vont faire en sorte que cette façade soit optimisée pour l'énergie, pour le confort, pour la productivité des gens. Et ça, c'est valable pour le bâtiment tertiaire comme pour la maison individuelle. Alors, la maison individuelle, c'est peut-être un peu plus simple, mais c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. Ouais. On le voit, nous, dans l'habitat résidentiel. On ne va pas l'appeler enveloppe connectée, mais on va appeler ça des scénarios, par exemple, énergie gratuite. C'est-à-dire, on va emmagasiner la chaleur gratuite l'hiver, on va emmagasiner la fraîcheur gratuite l'été. C'est-à-dire, je suis parti au travail, il pleuvait, donc je n'avais pas fermé mes BSO. Et bien, de façon automatique, ma maison, en plein après-midi, voit que le soleil tape sur les baies, elle va fermer dynamiquement les BSO. De façon à ce qu'on n'ait pas de surchauffe à l'intérieur. Absolument. Alors aujourd'hui, tout ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Est-ce que on a les techniques, on a les technologies. Nous, en tant que journalistes, on voit déjà pas mal de bâtiments qu'on nous vend comme étant connectés ou domotisés. Et est-ce que ça fonctionne bien? Alors, ça fonctionne bien individuellement. Mais ça fonctionne pas forcément bien dans un écosystème. C'est-à-dire que ça fonctionne bien si on raisonne simplement en silo pour la fonction qui est demandée. Mais aujourd'hui, quand on parle de numérique, quand on parle de connecté, ben forcément, il faut mutualiser, il faut partager. Et à partir du moment où on partage, ben faut être interopérable, faut communiquer avec d'autres environnements. Et c'est là où ça marche difficilement. Et souvent, aujourd'hui, ça va marchoter. Et ça va marchoter parce qu'on va devoir empiler des passerelles, des systèmes, pour permettre à un système de communiquer avec l'autre. Voilà. C'est complexe. On empile, et on empile des coûts, on empile des risques, parce qu'à chaque fois qu'on empile, bah, effectivement, c'est des problématiques Des problématiques d'intégration, de sécurité, ouais, et autres. Vous faites le même constat? Oui, je confirme, que ce soit en tertiaire ou en résidentiel, c'est l'exemple de mes trois détecteurs. S'il y a trois détecteurs, il y a peut-être trois protocoles. Il y a eu trois lots, en fait. C'est-à-dire, les bureaux d'études, dans leur domaine, ont bien fait leur travail, mais il n'y avait pas une vision globale. Il manque la vision globale. C'est un peu comme un médicament. Il manque la prescription globale. Chacun va donner son médicament, mais personne ne va travailler ensemble pour avoir une seule réponse. On parlait des nouveaux métiers d'intégration. Il y a des nouveaux métiers de conception. Donc, la fameuse prescription, elle se fait avec ce que nous, on appelle maintenant des AMO smart ou des bureaux d'études smart, qui sont pas experts dans tous ces domaines-là, mais qui ont une approche globale, qui comprennent le métier du menuisier, qui comprennent le métier de l'électricien, qui comprennent le métier du chauffagiste, et qui sont capables d'écrire noir sur blanc ce qu'on attend de ce bâtiment, ce qu'on attend de cette façade, ou ce qu'on attend de cette enveloppe. Et si c'est bien décrit, les entreprises pourront travailler et pourront avoir, au final, quelque chose qui fonctionnera bien. Donc, très concrètement, ce qui manque, c'est des intégrateurs, c'est ça? C'est ce que vous appelez des intégrateurs? Oui, il manque des intégrateurs, et ensuite, c'est une certaine honnêteté, ou peut-être pas l'honnêteté, c'est un réalisme, le mot réalisme est le bon mot, pour les industriels, de dire on arrête de valoriser son équipement, son produit, en ajoutant de l'intelligence, et de l'intelligence qui est fermée, pour un service qui est unique, alors qu'aujourd'hui, les usagers ils veulent un service transversal. Donc c'est effectivement, on rend connecté, donc on va, comme on le disait tout à l'heure, on lui donne l'IP, l'Internet, et on lui donne une petite couche d'intelligence qui permet juste de donner les informations sur son état. Je suis ouvert, je suis fermé, je suis mi-ouvert, je suis mi-fermé, j'ai tant de réserves d'eau, que sais-je, ou j'absorbe tant d'UV, ou j'ai telle température intérieure, extérieure. Et c'est tout. Et ensuite, le reste de l'intelligence, il est ailleurs. Mais ce n'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre? Et c'est aussi bien valable pour l'extérieur que pour l'intérieur. Mais c'est justement l'intelligence que j'embarque. Donc c'est pour ça que je parle de réalisme. C'est qu'il faut que les industriels acceptent de dire, revoient leurs prétentions et dire, je fais un équipement connecté, basiquement. Connectable. Connectable. Et le reste de l'intelligence, peut-être que je l'apporterai, mais ça peut être d'autres qui l'apportent. C'est d'autres qui l'apportent. Et de toute façon, si je l'apporte, il faut qu'on puisse tous communiquer ensemble. Exactement. C'est l'histoire de l'interopérabilité des systèmes. C'est ça, en gros, que vous êtes en train de me raconter. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Pour illustrer ça, faites un tour sur le salon.
tous les chauffagistes, les fabricants de chaudières, les gens qui font des centrales double flux, etc., les gens qui font des panneaux photovoltaïques, ils vont tous vous dire c'est génial, c'est connecté, on a une application. Et donc, ils vont pas vous dire comment ça fonctionne ensemble. Mais non, pas du tout. Ils vont juste, et ils vont nous demander, nous, d'expliquer à nos clients que c'est génial, ils ont 10 applications. Et c'est exactement le même syndrome que quand vous avez 5 télécommandes devant votre télé. Voilà, c'est ça. C'est, j'ai mon téléphone et j'ai toutes les j'ai l'application pour mon toit, j'ai l'application pour mon chauffe-eau, j'ai l'application pour mes volets roulants. Ouais. Et souvent en mode propriétaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une appli, donc c'est un beau progrès. Hein. Moi, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas optimisé. Et nous, c'est pas parce qu'on a une application qu'on va savoir l'intégrer dans nos projets. Donc c'est juste de dire, et Emmanuel a raison de dire, il faut savoir s'arrêter. On est fabricant, on est spécialiste de la chaudière, on n'est pas spécialiste du connecté. Par contre, ouvrir son système pour qu'un intégrateur puisse facilement, sans passerelle, le bon critère, hein, s'il y a besoin de passerelle, c'est que c'est déjà mort. Alors, on y arrivera, un intégrateur y arrivera, mais 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, ça vieillira très mal. Donc la responsabilité d'un fabricant, c'est connectable. Donc on a besoin d'objets non pas connectés, mais d'objets connectables, si j'ai bien compris. Oui, c'est clair. Et puis pour encore étayer ce que je vous dis, ce qu'on dit là, c'est aujourd'hui, partons sur une base 1. J'ai 1, ça vaut 1 pour la connexion de mes volets roulants, 1 pour connecter mon enveloppe, mes fenêtres, 1 pour connecter ma toiture végétalisée, 1 pour connecter la ventilation, etc. Donc allez, et on peut additionner. Et donc, à la fin, on va dire c'est 10. C'est 10. Et on les additionne, c'est 10. Alors, c'est 10, ça peut être 10 000 ou 100 000 euros. Hein, c'est oui, une base 1. On additionne c'est aussi une base les... 1. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas les additionner. Parce qu'à la fin, si on a une application au-dessus qui pilote tout ça, mais elle, c'est 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ou 2 ou 3 maximum. Donc là, on est à 15. Alors qu'on aurait pu optimiser. Juste dire, nous, on veut 0,8 de tout le monde. Et on va rajouter 1. Pour avoir une synthèse. Voilà, c'est une synthèse. Ça veut dire quoi au niveau des métiers? Ça veut dire qu'il faut développer des nouveaux métiers d'intégrateurs, des nouvelles formes. Les gens sont formés pour ces systèmes? Comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. Il faut que les entreprises dans leur domaine soient conscientes de ce qu'on va leur demander. Donc, elles vont aller de plus en plus vers ce type de bâtiment. Mais on ne leur demande pas de changer de métier. On leur demande de faire bien leur métier, d'évoluer avec ce qu'on leur demande. Et puis, être consciente qu'il va y avoir un nouvel acteur. Donc, c'est ce nouveau métier. Sur le chantier, on va voir ce nouvel acteur qui est l'intégrateur, qui va plutôt venir en fin de chantier. Lui, quand tous les systèmes fonctionnent individuellement, lui peut faire la synthèse de tout ça. Et puis, souvent, je vous ai parlé du nouveau métier de concepteur. Il faut des bureaux d'études, soit des bureaux d'études classiques qui ont évolué, qui sont formés, soit des nouveaux métiers de bureau d'études. Et le point commun entre ces deux métiers, que ce soit le bureau d'études smart et l'intégrateur smart, c'est l'IP. Donc c'est le fameux protocole qui met tout le monde d'accord. Qui met tout le monde d'accord et qui parle à tout le monde et de la même manière. Et on ne va pas demander aux électriciens de se former à l'informatique, non. De se former à l'IP, de se former au réseau. Là, c'est vraiment des nouveaux métiers. Il y a des formations aujourd'hui en France sur tous ces domaines-là. Et donc, il faut encourager ces nouveaux métiers. Et je dirais même, aujourd'hui, malheureusement, aussi bien les syndicats que les pouvoirs publics se mettent le doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, les syndicats de la filière électrique, il y a 30 000 installateurs électriciens en France, ils pensent qu'on va pouvoir former ces 30 000 installateurs électriciens au numérique. Mais si vous voulez, il y a un problème de compétences. On pourra en faire évoluer certains. Peut-être intégrer dans les entreprises des gens spécialement formés. Mais au contraire, il faut plutôt, et j'en vois un là qui est sur le au hall 6 chez Oga, qui a bien compris ça. C'est que lui, il a dit, attendez, moi, ma compétence, c'est l'électricité. Et je vais rester dans l'électrique. Et aujourd'hui, au lieu de monter en compétence, parce que je n'ai pas la compétence informatique, et puis c'est un autre métier, je vais rester dans l'électrique. Donc je vais continuer l'installation électrique, le câblage, et maintenant, je vais faire le stockage de l'énergie, les énergies renouvelables, et puis je vais faire aussi les prises pour la recharge de voiture. Et je m'associe avec un intégrateur pour le contrôle. Qui va faire communiquer entre eux. Et voilà, c'est ça l'évolution. Et donc aujourd'hui, ces organismes, les associations, elles devraient donc plutôt dire, peut-être que dans notre association, il y aura effectivement certains qui vont migrer. Mais au contraire, il faut qu'on crée des passerelles, par exemple avec la FFD, pour justement mettre ensemble les installateurs électriciens ou les installateurs climaticiens avec les intégrateurs. On parle beaucoup de binômes.
C'est un peu nouveau parce que le collaboratif, ce n'est pas le point fort du bâtiment à la base. Hein. On a isolé tous les lots. Hein. Tout le monde parle ensemble, mais ne travaille pas voilà. toujours ensemble. Si on veut une enveloppe connectée dans un bâtiment, c'est forcément du collaboratif. Et la base du collaboratif, c'est au minimum le binôme. Par exemple, un électricien qui travaille très bien avec un domoticien. Et ça suffit souvent. Donc les formations existent. On a tout. Hein. On a le matériel, on a les formations. On a juste, il nous manque juste l'élément qui va nous permettre de mettre tout ça ensemble. Il y a pas mal de politique dans l'histoire. Il y a une prise de conscience. Alors c'est la politique et puis c'est aussi une résistance au changement. Donc il faut accompagner ce changement. Il ne faut pas être trop dans la rupture à tout prix en disant quand il faut tout parlez, changer. C'est, malheureusement, ils ne sont pas là pour nous donner leur point de vue. Mais est-ce que vous pensez qu'ils... en fait, c'est une résistance. Enfin, c'est ce que vous disiez, une résistance au changement. Mais pourquoi ils ne pourraient pas le faire finalement? On intègre bien, par exemple, dans les cabinets d'architecture, des BIM managers pour le BIM. On pourrait intégrer dans une entreprise d'électricité, on pourrait l'appeler le manager smart building. Oui, tout à fait, on peut le faire, oui, tout à fait. Au contraire, c'est des nouveaux métiers qui doivent émerger. Oui. Mais c'est vrai que, bon, ça, c'est notre rôle d'ailleurs à la FFD et à la SBA, c'est d'aller voir les ministères de tutelle pour leur faire comprendre qu'il faut tout à fait repenser les formations. Faut repenser les formations. Alors, parce qu'aujourd'hui, on les forme encore au monde de l'analogique, alors qu'on est dans l'ère du numérique. Moi, chaque année, je fais mes universités d'été à Lyon. Hein, du Smart Building for Smart City. Il y a 2 ans, j'avais invité des jeunes d'un BTS sur Lyon. Ils pleuraient en sortant. Ils disaient, mais attendez, mais... C'est pas ça qu'on apprend. Ce qu'on écoute là, c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne à l'école. Alors, à quoi elle sert, notre formation? Et nos adhérents nous disent qu'ils ont un mal fou à trouver et des stagiaires et des gens à recruter. Voilà, parce qu'ils ne sont pas sur les bonnes bases. Ils travaillent un peu à l'ancienne. On leur apprend à travailler à l'ancienne. On passe de l'analogique au numérique. On arrive presque au terme de l'émission. Ouais. Je voudrais qu'on aborde un autre point, alors qui est un peu à la mode. On le voit ça dans les magazines, c'est le piratage. Est-ce qu'aujourd'hui, mon enveloppe connectée, il y a un risque qu'elle soit piratée? Le risque zéro, il n'existe pas, on le voit bien. Hein, et l'informatique qui a évolué déjà depuis un certain temps, qui est mûre, aujourd'hui, on voit que l'informatique, d'une manière générale, est vulnérable. Hein. Donc forcément, si on met de l'informatique dans le bâtiment, il y a de la vulnérabilité. Ceci étant, il y a des moyens quand même de créer de la sécurité en étant connecté, mais en stockant les données dans un cloud qui sera, on va dire, protégé. D'accord. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Finalement, voilà. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a un réseau IP du bâtiment qui est dédié à tous les équipements. Donc, si on arrive à sécuriser ce réseau, on aura une enveloppe connectée sécurisée. Et ce n'est rien d'autre que de l'informatique. Donc avec les failles de l'informatique, mais aussi avec toute la puissance de l'informatique et avec tout ce que les compétences en informatique savent faire. Donc un expert réseau, il sera très facilement sécurisé. Mais oui. C'est quand même quelque chose qu'il faut penser au niveau de la conception. Il faut le penser à la conception. Et du coup, ça ne laisse pas aucune marge de manœuvre en termes d'appréciation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien le monde du bâtiment. Souvent, on tire vers le bas parce qu'on va essayer de faire un peu plus de marge. Et là, la sécurité, c'est zéro hésitation. Si on ne l'a pas spécifié, si on ne l'a pas écrit noir sur blanc dans le cahier des charges, on ne peut pas demander à une entreprise de passer du temps, de changer le routeur, de mettre un routeur sécurisé à la place de la box de l'opérateur, etc. Donc, c'est bien un problème en amont, hein, en conception, en compétences. Et en planning. C'est-à-dire, si on n'a pas intégré dans le planning, je vous disais tout à l'heure, l'intégrateur, lui, il ne peut travailler que quand tout le monde a terminé. Vous connaissez les chantiers, c'est jamais terminé. Donc, il faut intégrer déjà le travail de l'intégrateur dans le planning et puis lui avoir demandé de façon spécifique une sécurisation du projet. Donc, si je retiens, je vais faire une petite conclusion de nos échanges. Sécurisation, intégrateur. Et il nous faut vraiment quelque chose qui centralise les informations du bâtiment. Tout à fait. Et sur la base de l'interopérabilité. Ce sera la conclusion, ouais. Allez-y. Non, c'est ça, sur la base de l'interopérabilité et une approche coût global. Merci messieurs, merci d'être venus pour ces petits échanges sur l'enveloppe intelligente et connectée. On a bien compris qu'on y est presque, mais qu'il y a un petit pas encore à franchir. Merci, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange sur Bâtijournal TV et sur le site du Salon Bipositive. À bientôt, merci.